Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopa Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous savez, le principe, c'est un magazine dans lequel nous prenons des questions importantes. On les met sur la table et avec un acteur qui fait l'actualité politique, sociale ou même économique, nous tentons de débattre de ces questions importantes. Cet acteur donnant justement son point de vue par rapport à l'actualité politique. Jimmy Kitenge est encore dans le cachot de la mer. Si je ne me trompe pas, il est encore là. Entre-temps, Jean-Marc Kabound a répondu hier à sa première comparution devant le parquet près la cour de cassation. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'homme est rentré libre chez lui à la maison. Il s'agit de la justice ou de la politique? On en parle dans cette édition du journal. Ça brûle dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 4 jours, des manifestations violentes sont organisées contre les troupes des casquets bleus de la MONUSCO. Les manifestants exigent le départ de la MONUSCO. Est-ce une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose? La MONUSCO doit-elle partir, oui ou non? La MONUSCO engage-t-elle sa responsabilité dans ce qui arrive? On reviendra également. Et puis on fera un focus sur la gouvernance de la République, la situation économique dans le pays. Le gouvernement fait des efforts énormes selon beaucoup de ses communicateurs. Le budget de l'État a été doublé pratiquement fois 3. On part des 4 000 à 10 milliards. Les recettes au niveau des services d'assiette ont explosé. Est-ce que Tshisekedi a donc un bilan et il peut s'estimer fier de lui-même? On parle de ces questions en direct depuis Kinshasa, un habitué de nos plateaux, M. Alain Bolodjoa. M. Bolodjoa, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir au téléphone dans ces nouveaux formats. Comment vous allez? Vous avez lancé les activités de votre parti politique. Comment il se porte finalement? Bon, assez bien. On a procédé par la signature des statuts et ça s'est fait de manière séquentielle. On a commencé par la première séquence et on continue avec les autres membres. On avait 24 signataires et puis il y avait 10 provinces qui étaient représentées. Et donc nous devons continuer avec les 16 autres provinces restantes pour que nous arrivions effectivement à respecter la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques dans ses articles 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Vos détracteurs disent de vous que vous êtes un politique de plateau de télévision. Est-ce que finalement vous avez un secrétaire général? Est-ce que vous avez un siège de parti politique ou vous continuez toujours à faire votre politique en critiquant Tshisekedi dans les télévisions là? Bon, je ne sais pas si la loi voudrait assez que pour être politicien, il faut impérativement avoir un secrétaire général. Il y a les politiciens indépendants et d'ailleurs déjà dans la loi portant organisation et fonctionnement, la loi portant loi électorale est suffisamment claire sur cette question. On peut être personnalité politique indépendante et postuler. Il y a certains membres de l'Union dite sacrée qui n'ont pas les secrétaires généraux, mais qui sont là. Je peux en citer beaucoup. Alors, Mabimou Lumba, c'est un politicien, technicien. Il n'a pas de parti, mais il est personnalité politique. Il n'est pas dit que pour critiquer la gouvernance du pays, il faut impérativement être membre d'un parti politique et avoir un secrétaire général. La société civile et même un simple citoyen a le droit de critiquer la gouvernance parce que c'est un droit consacré. Mais en ce qui nous concerne, nous au moins nous sommes plus organisés que certains partis politiques. Voyez-vous, nous sommes dans la philosophie de la Constitution, dans la philosophie de la démocratie, nous nous organisons progressivement. Et je crois que bientôt là, on aura un parti, mais la finalité n'est pas d'avoir un parti, mais de véhiculer un système de valeurs à même de résoudre le problème de la population. Voilà. Allez, Bolodjoa, allons, mettons les pieds dans le plat, comme on dit, allons vite dans l'actualité. L'actualité dans le pays, en ce moment, restait dominée par la comparution hier de M. Jean-Marc Kabound. Après 6 heures dans les locaux du parquet, après la cour de cassation, il est ressorti libre. Première question, est-ce que vous estimez qu'il est des bons à loi? Est-ce que vous pensez qu'on est en plein dans la justice politisée ou c'est plutôt une question judiciaire? Bon, il y a beaucoup d'éléments
éléments qui démontrent à suffisance que nous ne sommes pas en face d'une justice telle que le veut la Constitution, encore moins les lois de la République. Nous avons la capacité de les démontrer. Premièrement, l'initiative de poursuivre M. Jean-Marc Gabou n'est pas venue de cours et tribunaux, comme on prétend le dire. C'est plutôt une organisation politique, nous pouvons citer ici l'Union dite sacrée, avec un démembrement au niveau de l'institution parlement. Tout est parti d'abord de son point de sa conférence de presse. Juste après sa conférence de presse, il y a eu le bureau, un certain nombre de membres du bureau qui ont eu à réagir. Et dans leur démarche, ils ont voulu assez que la justice s'en saisisse d'office. C'est-à-dire qu'ils voulaient assez que la justice puisse mettre la main sur M. Gabou. Ils n'ont pas intimé l'ordre à la justice. Ils ont appelé la justice à faire son travail. Ce n'était pas un ordre qu'ils ont intimé. J'ai lu les communiqués, je l'ai d'ailleurs en face ici. Ils ne disent pas qu'on intime l'ordre. Ils appellent la justice à pouvoir agir. Oui, mais ça a un caractère impératif. Et lorsqu'on est en face d'un subordonné, on n'a pas besoin de mettre l'ordre avant pour qu'il s'exécute. La justice est subordonnée au Parlement. On n'est pas là en pleine séparation du pouvoir. La justice n'est pas subordonnée au Parlement. La justice est subordonnée au pouvoir. Voyez-vous ? Lorsque l'autorité fait savoir sa volonté, sa force de loi pour certaines personnes, et c'est comme ça que le procureur près la cour, le procureur général près la cour des cassations en tant que quelqu'un qui a été choisi par ce pouvoir, quelqu'un qui a été orienté par ce pouvoir, est vite astreint de mener des démarches justement pour essayer de calmer un peu la tension qu'il y avait dans l'esprit de son chef. Et la deuxième personne à avoir intervenu, c'était M. Kabuya, qui avait dit clairement qu'il voulait voir la justice se saisir du dossier, parce qu'il considérait que tout ce qui a été dit par M. Kabound devait être sanctionné sévèrement. Et voilà, c'est comme ça que le procureur général près la Cour des cassations a enclenché la démarche justement pour arriver à avoir M. Kabound comment répondre devant son parquet. Et nous, nous pensons que cette démarche démontre à suffisance que la justice n'est pas indépendante, la justice est aliénée par la classe politique, et nous ne pouvons pas compter sur l'état de droit sans une justice indépendante. Et même dans le fond, je constate que les maladresses de ces fameux pouvoirs continuent. Parce que si vous prenez dans un œil politique, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment une boucle de prendre l'initiative d'inviter M. Kabound au niveau de la Cour des cassations, d'autant plus que c'était pour lui une opportunité d'être en face de juges ou de magistrats qui lui poseraient des questions par rapport à ses déclarations. Et dans ses déclarations, il prétend avoir des éléments démontrant qu'effectivement la gestion était une gestion calamiteuse. Non, mais justement, c'est le meilleur endroit pour amener tous ces éléments, c'est la justice, non, monsieur Alain Mouloudia? Pourquoi ça dérangerait que la justice d'un pays puisse appeler un citoyen s'il a des soupçons et s'il veut avoir des éclaircissements de ces citoyens-là? Qu'est-ce que la politique a à voir là-dessus? Je ne suis pas spécialiste en droit, mais du moins, j'ai une idée sur l'organisation de notre société. Voyez-vous, nous avons une approche sociologique, surtout sociologique de droit, et je pense que, en réalité, l'instance habilitée pour inviter M. Kabound, ça devait être la Cour constitutionnelle. Parce que M. Kabound, dans ses déclarations, il met en cause la qualité morale de M. Félix Tshisekedi, et de ce fait, la personne, l'instance qui devait avoir les désirs, manifester les désirs de l'écouter, de l'entendre pour recueillir des informations, ça devait être la Cour constitutionnelle qui est le juge naturel de M. Félix Tshisekedi. Deuxièmement, M. Kabound devait être appelé, invité en tant que renseignant. Parce que ces déclarations ont touché une institution et il devait plutôt amener de plus en plus d'informations pour étayer ces déclarations. Et fort malheureusement, il a été invité
comme coupable, comme quelqu'un qui devait être poursuivi par la justice. Comment quelqu'un qui est en train de dénoncer de faits graves, je dirais même gravissimes, soit invité comme un coupable? Pourquoi avoir levé ses immunités alors que ce qu'il a dit, il était en droit de le dire et il prétend avoir des éléments? S'ils l'ont invité justement pour lui faire pression, lui empêcher de parler, de prendre parole, justement parce qu'ils savent que ces déclarations pourraient constituer et provoquer l'effondrement de la société, parce que c'est l'institution président de la République qui est mise en cause. Voilà pourquoi ils ont créé une sorte de théâtralisation. Ils ont voulu qu'il soit amené au niveau de la Cour de cassation, qui est son juge en tant que député, lui faire pression et lui imposer de ne pas dire ce qu'il sait. C'est comme ça que lui, ne comprenant pas leur démarche, il a eu à mobiliser ses militants. Ils sont allés jusque-là justement pour faire pression. Et lorsqu'il est arrivé, il a été entendu pendant quelques heures. Et c'est là où maintenant, le procureur après la cour de cassation s'est rendu compte qu'effectivement, ces déclarations avaient un sous-bastement. Et au moment où nous parlons, c'est le temps de la politique d'orienter les actions. Le procureur général après la cour de cassation peut dire à ceux qui l'ont mandaté, peut leur dire, non, voilà, au regard des informations recueillies auprès de M. Kaboun, nous considérons que la meilleure solution serait de trouver une solution politique. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'ils vont étouffer l'affaire dans l'œuf. Et pourtant, les déclarations faites par M. Kaboun, en réalité, le procureur général, près la cour de cassation, devait se saisir d'office. Parce que lorsqu'il y a des informations qui touchent à la sensibilité de la Constitution, on n'a pas besoin de faire ce théâtre-là. Alors justement, dans les faits... Si on lui dit de revenir le mardi. Le mardi, il va... Et après, on va l'entendre. Certainement qu'il sera soit mis sous map, mandat d'arrêt provisoire, ou sinon, il va encore rentrer pour revenir un autre jour. Et tous les temps qui passent, c'est justement pour lui dire, non, voilà, ce sont des questions sensibles, ça touche à la sûreté de l'État, vous n'avez pas le droit de dire certains secrets, vous avez été soumis à la confidentialité, et c'est comme ça qu'ils vont chercher à ouvrir une porte, justement pour dire, non, voilà, non lieu, il n'y a pas besoin, tout ça, on les laisse, et puis ils évoluent. Ce qui veut dire quoi? La justice devient un bras séculier de la classe politique. Et nous pensons que dans cette philosophie, il nous sera difficile de vivre les droits tels que le veut l'exposé des motifs de la Constitution. Alors justement, dans les déclarations de Jean-Marc Kaboun, il est poursuivi pour injure publique, diffamation, outrage au président de la République. Mais est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'en tant qu'homme politique, Kaboun est allé un peu loin? Quand il dit du président de la République que c'est un jouisseur, quand il dit de lui que c'est un incompétent, quand il dit du président de la République que c'est un détourneur et qu'il détourne des millions d'argent dans des jets privés, M. Bolodja, humainement et sociologiquement parlant, ça c'est quand même à la lisière des insultes et des injures, non, contre l'autorité établie. Bon, je sais que les juristes sont un peu par moments confus ou confondus dans leurs considérations. Nous devons faire la part des choses. Entre le bon sens et le droit. Voyez-vous? Le bon sens voudrait assez que nous soyons réservés ou que nous censurions nos propos par rapport à M. Félix Tshisekedi, même si détourner l'argent, on doit chercher des mots doux. Mais ce n'est pas ça le droit. Parce que c'est lui qui fait ce genre de déclarations. À mesurer la portée. Que ça soit politique, que judiciaire, de sa démarche. Dire de quelqu'un qu'il est incompétent n'est pas un fait infractionnel. Ce n'est pas un fait infractionnel. La compétence elle-même aussi n'est pas un fait infractionnel. Si on vous dit par exemple que vous êtes un jouisseur, mais il y a possibilité de l'aider. Voyez-vous? Et je ne pense pas que dans un pays sérieux, lorsque quelqu'un dit à celui qui prétend être président ou chef de l'État,
on lui dit que c'est injuste. Il ne prétend pas, Bologna, il ne prétend pas être président, il est président de la République. Arrêtez un peu avec ça, monsieur Bologna. Il est président de la République de fait. Il est là, il est président de la République. Il engage la République, il vous représente, vous, comme Congolais, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Non, Mobutu aussi engageait la République. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas président de la République pendant que Tshisekedi s'opposait à lui ou ne croyait pas à la légitimité. Voyez-vous, on peut être président de la République et être un délinquant, c'est possible. Si ce n'est pas son cas, mais c'est possible. L'esprit de la Constitution vous dit assez que c'est lui qui est président de la République, soit élu. M. Félix Tshisekedi a été kabylocratiquement élu. Il n'est pas dans la philosophie de la Constitution. Nous ne l'acceptons pas, nous les tolérons. Justement parce qu'il n'est pas dans la philosophie de la Constitution. Et donc, moi je pense que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est incompétent, c'est par rapport à sa prestation, c'est par rapport au rendement, c'est par rapport à la non-maîtrise de la fonction. Alors, s'il n'y a pas de résultat, ne demandez pas aux gens de le considérer comme compétent. Et puis, quelle est la sanction prévue par la loi lorsque vous traitez quelqu'un d'incompétent? Il y a des gens qui ont été éjectés de leur poste pour incompétence. M. Kabound lui-même, il était président, premier vice-président pendant que Mabound a été encore présidente. Il a été chassé comme un chien pour incompétence. C'était une occasion pour lui d'aller traduire des gens en justice pour être jugé. Combien d'agents de l'État ont-ils été démis de leur fonction de compétence? Est-ce que l'incompétence est une infraction pour que celui qui est taxé d'incompétent puisse aller traduire des gens en justice? Lorsqu'on vous dit que M. Félix Tshisekedi a eu à détourner l'argent de la République, mais ce n'est pas une infraction. La dénonciation n'est pas une infraction. La dénonciation, c'est un devoir sacré. Non, mais elle peut être calomnieuse, M. Bologna. Elle peut être calomnieuse quand elle n'est pas basée sur des faits réels. C'est justement pour ça qu'il faut amener des preuves de ce qu'on allègue. Non, mais effectivement, qui ne sait pas que M. Félix Tshisekedi profite de sa fonction pour se faire une santé financière? Qui ne le sait pas? Qui ne peut pas, ici au Congo, démontrer qu'il y a une malversation financière? Qui ne peut pas le démontrer? Tout le monde le sait. Le programme Sojo, le programme Tchilegelou, le programme d'alimentation d'urgence, le programme de lutte contre la pauvreté et l'égalité sociale. Tous ces programmes-là ont démontré la suffisance qu'effectivement, il y avait intention de nuire aux intérêts de la République. Qui n'a pas vu M. Félix Tshisekedi, gens de la République, entre les mains de ses amis et connaissances, qui ont dilapidé le fonds public? Qui n'a pas vu ça? Lorsque la présidence de la République, pour question de dépassement budgétaire, en énervant les lignes de crédit allouées aux autres secteurs, qui n'a pas vu ça? Comment l'argent de la République est en train d'être dilapidé? Allez lire l'article 165 de la Constitution. Il peut être poursuivi pour malversation financière. C'est connu dans la Constitution. Et la Constitution voudrait assez que chacun de nous soit sentinelle de fonds publics de l'État. Et lorsque quelqu'un arrive à dénoncer, on ne peut pas faire de lui criminel. C'est vrai que M. Kabound n'est pas un saint. C'est vrai qu'il est aussi concerné dans l'affaire, l'enrichissement illicite. Mais ce qu'il dit, il peut le démontrer. Il suffit seulement de prendre le tableau de bord de l'économie pour vous rendre compte comment ces gens s'enrichissent de manière insolente, en violation de la philosophie, même de la loi, de finances publiques. Je suis censé comprendre quoi, les Bologna? Que vous êtes totalement d'accord avec les propos de M. Kabound, que pour vous, Tshisekedi, c'est un incompétent, c'est un jouisseur, c'est un détourneur, et tout ce que pour vous, tout ce que Kabound dit, vous êtes dans cette logique, vous qualifiez Tshisekedi pareillement? Non. C'est Kabound qui est collé. Voyez-vous, il respecte du côté collé. Il y avait des gens qui ont dû la dénoncer pendant qu'il était dans le mangeoir. Nous l'avons déjà dit qu'il y avait effectivement un problème de gestion.
lorsque vous avez un président de la République qui prend des ordonnances à temps et à contre-temps, et ces ordonnances sont heurtées à la norme, il signe des ordonnances nommant le membre de son cabinet en violation de la loi administrative. Il prend des ordonnances nommant le membre du conseil d'administration de la Banque centrale. Et lorsqu'on confronte ces ordonnances aux lois, on se rend compte qu'il était hors norme. Et la Banque mondiale a eu à rejeter. Ne doutez pas de l'incompétence de M. Félix Tshisekedi. C'est démontrable. Il est incompétent pour vous. Moi, je pense. Non, mais il est excessivement incompétent. Voyez-vous? Et je pense, pour ma part, qu'on n'a pas besoin que l'on fasse un dessin animé pour expliquer aux gens. Ce sont des déclarations politiques soutenues par les aspects techniques. Il est possible de démontrer l'incompétence. Mais il faut aussi savoir que l'incompétence n'est pas un fait infractionnel. Si c'était un fait infractionnel, celui qui est taxé d'incompétent peut aller traduire en justice. Mais allons-y là. Est-ce que lorsqu'on traite quelqu'un d'incompétent, le procureur général doit se saisir d'office du dossier? Si M. Félix Tshisekedi se sentait lésé, n'est-ce pas que la procédure voulait assez que lui-même porte plainte? Il a des avocats. Les grandes questions qui touchent à la nation, ce sont celles-là qui doivent venir la sensibilité de la de cause. On ne doit pas prendre de questions politiques, on ne doit pas prendre des dénonciations pour de faits infractionnels, justement pour faire les yeux doux à celui qui décide sur la nomination. Donc moi je pense que même si je ne parle pas l'approche politique ou les intentionnalités de M. Kaboud, mais ce qu'il a dit est soutenable. Je crois qu'il n'est pas le premier. Non, mais on peut peut-être comprendre, au regard de vos propos, on peut peut-être comprendre l'incompétence, mais là, il a ajouté, il parlait de la jouissance, il dit que c'est un président fêtard qui fait la fête chaque week-end. Ça, c'est quand même des choses, bon, je reconnaissant le, qui frise un peu l'injure et la diffamation. Oh là là, cher ami, il y a déclarations qui ont été faites, pas par M. Kaboud, mais par le membre de l'UDPS, ceux qui se présente aujourd'hui comme le communicateur de M. Félix Tshisekedi. M. Amir Simakouta nous l'a dit devant votre confrère Jean-Pierre Kayembe. Il a avoué qu'effectivement, chaque samedi, M. Félix Tshisekedi organise des fêtes. Et lorsqu'on organise des fêtes, c'est justement pour jouir. C'est-à-dire qu'il cherche la jouissance. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons des photos, nous avons de déclarations. Chaque samedi, il y a des festins qui sont organisés à l'honneur de M. Félix Tshisekedi. Et ils ont considéré que c'était un humain, il devait se défouler, il travaille beaucoup, il doit prendre le temps de calmer la tension, parce que par moment, à force de travailler, ils l'ont dit, il y a des déclarations. Lui-même a dit qu'il dormait en retard, parce qu'il travaillait beaucoup, et fort malheureusement, on se rend compte qu'il n'a pas de charges publiques. Hein, il est plus dans lui. Au lieu que nous cherchions à construire l'État, nous sommes en train de construire plutôt M. Félix Tshisekedi. Ce sont ses fantasmes à lui, ses problèmes à lui que nous cherchons à défendre. Lorsqu'on dit à quelqu'un c'est un jouisseur, quel est le fait infractionnel? Quelle est la gravité de la question pour que la Cour de cassation puisse abandonner tous les dossiers sensibles et en faire une priorité? M. Félix Tshisekedi, c'est un jouisseur. C'est un jouisseur comme tout le monde. C'est un jouisseur. Comme tout le monde. Il n'est pas le seul. Et le fait de s'organiser chaque samedi, ce n'est pas seulement M. Kaboud qui l'a dit. Je vous ai cité un nom ici. Et M. Jean-Pierre Kayembe est encore vivant. Nous sommes là dans la jouissance. Alors comment voulez-vous expliquer? Nous sommes dans une situation de guerre. On vous parle de détournement de fonds. M. Félix Tshisekedi et sa cohorte ont créé une sorte de pipeline. Ils prennent l'argent de la République ici. Ils sont en train de pomper jusqu'aux banques extérieures, banques étrangères. Et nous sentons comment l'argent sort de notre pays. Avec comme conséquence, ils mettent en mal l'équilibre entre l'offre et la demande en devises au niveau national. Ils prennent l'argent et ils vont loger ça dans des banques étrangères. En préjudiciant les systèmes financiers congolais.
C'est une incidence sur la stabilité économique, la stabilité monétaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les efforts que eux prétendent fournir n'arrivent pas à éponger le problème congolais. Vous n'avez pas les preuves de tout ça. Ça, c'est de la proclamation. Vous n'avez pas de preuves de tout ça. Si on vous demandait de démontrer que Tshisekedi avait fait un pipe, c'est là aussi le problème. Quand on accuse sans pour autant avoir des éléments, des preuves, c'est aussi ça le problème. Quand on va vous inviter demain, vous allez vous plaindre. Kabound est encore vivant. On ne peut pas me demander à moi les preuves. Kabound est encore vivant. Je peux même vous prendre vous-même comme témoin. Vous avez reçu une dame, je crois que ça doit être Agnès ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle va au Katanga pour faire quoi? Pour aller voler, non? N'est-ce pas qu'elle est le membre de l'IDPS? N'est-ce pas qu'elle est proche de M. Félix Tshisekedi? Elle va prendre l'argent dans le Katanga pour construire quelque part. Ce ne sont pas ces déclarations. M. Kabound l'a dit, mais il n'est pas le seul. Combien de personnes ont eu à acheter de maisons à l'extérieur? C'est eux-mêmes qui nous le disent. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils veulent tout simplement étouffer l'affaire pour que nous n'arrivions pas à dire réellement ce qu'il y a. Lorsque M. Kabound, qui était très proche de M. Félix Tshisekedi, fait une déclaration dans une chaîne de radio internationale, pensez-vous qu'il n'a pas mesuré la portée de ce qu'il dit? Nous pensons qu'au lieu de nous distraire, il est temps pour le peuple de se prendre en charge. Cela dénote quelque part la faiblesse de l'administration judiciaire. La justice ne veut pas nous garantir la stabilité sociétale. Et nous considérons qu'en réalité, si la justice n'est pas en mesure de faire respecter la loi, de soumettre tout le monde à la force de la loi, la population qui est souveraine peut se prendre en charge justement pour mettre hors d'état de nuire tous ces éléments malicieux. Voilà. Alain Bolodjo, on va clôturer ce dossier avec ces deux petites questions. La première, vous parlez de Kabound, mais ses détracteurs disent que lui-même, c'est un grand jouisseur. Il s'est construit des villas, il s'est construit des maisons. Vous n'allez pas me dire que vous êtes une sorte de blanchisserie aujourd'hui et vous venez blanchir M. Kabound. Et la deuxième, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est la preuve, comme Franck Diogo l'a dit, que vous, est-ce que vous êtes aussi dans cette logique de regretter Kabila en disant, au regard de ce que Kabound dénonce, Kabila, c'était du mieux par rapport à Félix Tshisekedi? Non, mais bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous ne partageons pas nous n'avons pas la même intentionnalité ou la même motivation, que ça soit avec M. Kabound, que ça soit M. Franck Diongo, mais ce qui est vrai, devant les évidences, on fléchit. On s'est fléchi justement parce que l'on sait que ce qu'ils disent, c'est ce que nous vivons chaque jour. C'est quoi l'évidence? Kabila, vous regrettez Kabila? Vous pensez que Kabila, c'est du mieux par rapport à Félix Tshisekedi? Moi, je ne peux pas regretter Kabila. Je ne peux nullement regretter Kabila. J'ai considéré Kabila comme une quinine. Et fort malheureusement, il a été mal conservé. Et à force de le prendre, ça donnait l'ulcère à la République. Et nous devons traiter cette maladie. Monsieur Kabila appartient au passé. Il n'est pas parfait. Il n'est pas le démon comme on l'a présenté. Mais il ne méritait pas d'être président. Parce qu'il a commis beaucoup de bévues. Mais lorsqu'on fait une analyse comparative au caractère criminel de M. Félix Tshisekedi, moi je considère Kabila comme, ça c'est juste une métaphore, Kabila comme Ebola. L'avantage avec Ebola, il y a un système immunitaire, il y a le vaccin qui a été trouvé. C'est une maladie qui est née ici chez nous, et nous savons comment la contenir. Et M. Félix Tshisekedi apparaît pour moi comme le coronavirus. C'est-à-dire que c'est une maladie importée, et fort malheureusement, où on n'a pas un vaccin qui nous garantit le traitement ou la prévention. Et voilà. Donc, je pense que les deux sont des maladies que nous devons chaque minute réfléchir sur comment trouver un vaccin pour ne pas les attraper. C'est ça le combat. Monsieur Félix, c'est qu'il n'est pas aussi le démon. Monsieur Félix, c'est qu'il n'est pas aussi le diable, mais c'est un danger pour la République. De la même manière que qu'a été Monsieur Kabila, il a commis beaucoup d'erreurs. Qui a fait de Monsieur Félix, c'est qu'il est président? N'est-ce pas Kabila?
Donc, voyez-vous, c'est-à-dire que moi, je considère que si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix et M. Kabila devraient être en prison pour avoir détourné la volonté de la population, pour avoir occasionné le frein du développement de la population, au lieu de mettre le moyen, l'action sur la reconstruction de la nation, nous sommes en train de construire deux individus qui ne font que chercher à souffrir d'une obésité financière au détriment de la population. Donc tout ce qu'ils ont dit, ils peuvent avoir raison par rapport à leur gestion, mais je considère pour ma part soutenir aujourd'hui Kabila, surtout M. Diongo, soutenir aujourd'hui Kabila, c'est jeter en pâture tout le combat qu'il a y amené. Donc je pense que pour moi, l'essentiel pour nous, c'est de mobiliser la population pour que nous mettions fin à cette aventure de gouvernance et que nous espérions un lendemain meilleur pour toute la population. Alain Bolodjoa, je vais vous libérer très très bientôt là. Je prends quand même le deuxième thème qui est aussi important, c'est la sécurité. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, les installations de la MONUSCO ont été attaquées, on parle d'une vingtaine de morts. Que dites-vous de toutes ces manifestations que la population, notamment celle de l'Est, organise contre le casque bleu de la MONUSCO? Bon, heureusement vous parlez de la population, mais je dirais plutôt une frange de la population. Voyez-vous, parce que ce n'est pas toute la population qui est dans cette démarche. Il y a une catégorie de gens bien ciblés qui ont commencé l'activité. C'est vrai que les autres viennent que par curiosité. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Bahati doit s'assumer. Voyez-vous, M. Bahati est à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui. Je ne dis pas que ce qu'il a dit, il a totalement tort. Mais je dis qu'il doit apprendre à s'assumer. Cher ami, nous avons assisté dans ces pays. Nous avons suivi les déclarations de ces pouvoirs de la honte, soutenant le maintien de la mission de Nations Unies ici chez nous. Il vous souviendra qu'en 2019, M. Félix Tshisekedi a eu à soutenir la présence de la MONUSCO alors que la quasi-majorité de notre peuple voulait voir cette mission y prendre fin. C'est M. Félix Tshisekedi qui a soutenu. En 2020, c'est à cause de lui que le Conseil de sécurité a eu à proroger le mandat des Nations Unies. En 2021, il a fait la même chose en signant d'ailleurs un accord avec la MONUSCO qui a été sanctionné par une résolution du Conseil de sécurité et la décision pour prolonger le mandat de la MONUSCO parce que les retraits de la MONUSCO devaient se faire de manière progressive. Ce qui veut dire quoi en clair? La solution à ces problèmes ne peut qu'être diplomatique. Ce n'est pas à la population de s'élever pour faire pression. C'est vrai que la population a râle de voir que la MONUSCO n'arrive pas à résoudre le problème, de voir que la MONUSCO est devenue plus affairiste. Mais la démarche est prééminemment diplomatique. C'est au gouvernement d'aller faire la demande. Et on vient jeter de l'huile au feu et après on veut les rébuffer. Non, ils doivent s'assumer. Donc pour vous, le responsable de tous ces casses, de tous ces pillages, c'est M. Bahati Lukwebo. C'est lui qui est à la base des casses, de tout ce qui arrive, des pillages du siège des Nations Unies. Non, ce n'est pas lui directement, mais indirectement, oui. Parce que de manière implicite, c'est à cause de ces déclarations que la population a eu à mener ces actions-là. Ce n'est pas lui qui leur a demandé d'aller faire ça, mais en sourdine. C'est ça, c'est que la population a compris. Parce que nous sommes des leaders. Lorsque nous amenons de messages, on doit les mesurer. Pourquoi avant que lui ne foule les pieds là-bas, il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas d'action? Parce que justement, la population pensait tout bas ce qui s'est fait. Et c'est comme ça qu'en profitant de ces déclarations, c'est comme ça qu'il est arrivé à enclencher ou à jeter de l'huile au feu. Ce sont ces déclarations qui sont à la base. Et tout le monde les dit. Alors lui, il doit s'assumer. Il doit reconnaître qu'effectivement, il voulait voir la MONUSCO partir. Ils pouvaient aussi condamner comme ils ont tenté de le faire. Condamner disant que non, voilà, il faut que la MONUSCO parte, mais cela doit se faire conformément à la procédure universellement reconnue. Parce que c'est une mission demandée par nous. C'est nous qui avons demandé la présence de la MONUSCO. Et donc nous devons faire en sorte
que cette MONUSCO parte, sorte de notre pays dans le respect de la vie humaine. C'est ce que lui devait faire. Pour chercher à se justifier, et voilà aujourd'hui au niveau international, on considère que c'est le gouvernement de la honte qui a été à la base de ce qui a été fait. Pourquoi la population n'a-t-elle pas réagi avant que lui n'arrive dans cette partie-là? Et quelle était la motivation? Pourquoi avoir mené des actions dans ce sens? Pourquoi avoir organisé son séjour là-bas alors qu'en réalité il ne le faisait pas avant? Pourquoi avoir improvisé? Mais vous, lorsque vous menez des actions politiques, vous devez vous assumer. Si c'est ça leur intention, ils doivent le dire. La MONUSCO a une représentation ici chez nous à Kinshasa. Et le gouvernement est souvent en contact avec la MONUSCO. Si vous voulez que la MONUSCO parte, la moindre chose, il faut mettre la démarche au niveau de Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité. C'est comme ça que lorsqu'il y aura prorogation, la MONUSCO peut se dire, voilà, on va réduire le nombre de personnel. Ça a été fait. Il y avait 22 000 personnels de la MONUSCO. Aujourd'hui, ils sont à 17 000, si je ne m'abuse pas. Justement parce qu'il y avait une sorte de retrait progressif. Et voilà, ils arrivent, ils font ça. Et c'est ce qui est surprenant. Lorsque la population commençait à manifester, la police était là, l'armée était là. Personne n'a interdit la population de faire ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, le fait seulement qu'il y ait des représailles, il y ait des réactions dans tous les sens, et voilà, on veut maintenant rendre la responsabilité à la population. J'ai suivi votre fameux ministre qui a dit clairement que non, il condamnait le fait que la population ait mené ce genre d'activité. Bon Dieu. Mais lorsque la population commençait, pourquoi n'avoir pas fait ce genre de déclaration? Parce que la communauté internationale a réagi, et voilà, aujourd'hui, ils veulent s'éloigner de la responsabilité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? La population ne veut pas de la MONUSCO. La population ne veut pas de groupes armés. La population ne veut pas de ces gouvernements. Mais la population n'avait pas violenté. Aujourd'hui, on parle de plusieurs morts, que ce soit du côté des civils, que du côté de la MONUSCO. On nous a parlé de 12-5, mais nous apprenons que c'est au-delà. Il y a plus de 70 personnes blessées. Mais qui doit porter la responsabilité si ce n'est pas ces pouvoirs qui les jaloux de la honte? Ce sont eux qui ont formaté tout ce qui s'est fait. Voyez-vous? Donc moi, je pense qu'ils doivent apprendre à s'assumer. Lorsque vous faites des déclarations, lorsque vous voulez mener une démarche, assumez-vous. Pourquoi se cacher derrière la population? Pourquoi rendre la population responsable de ce qui a été fait? Qui ont enclenché cette série d'activités? Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Aucun parti de l'opposition n'a eu à mener les démarches dans ce sens. Lorsque nous demandions le départ de la MONUSCO, c'est ce même pouvoir qui nous a traqué. Donc moi je pense qu'ils doivent apprendre à s'assumer. Il n'a pas besoin de se justifier. Il doit continuer à dire qu'effectivement, leur régime ne veut pas de la MONUSCO. Et la question que nous devons nous poser, pourquoi ceux qui ont soutenu la présence de la MONUSCO veulent la voir partir? C'est ça aussi la grande question. En 2019, M. Félix ne voulait pas voir la MONUSCO partir, justement parce qu'il comptait sur la sécurisation de la MONUSCO, du fait qu'il avait peur de Kabila. En 2020, la même chose. Mais lorsqu'il signait des accords avec la MONUSCO pour proroger les mandats, il y a un plan, un programme de retrait qui a été établi entre les deux parties. Pourquoi n'avoir pas insisté sur le respect? Pourquoi amener la population sur les questions diplomatiques? Et aujourd'hui, si la communauté dite internationale, bien que la communauté internationale n'existe pas, à mon sens, si cette fameuse communauté dite internationale décider aujourd'hui de sanctionner, on ne sanctionnera pas que les dirigeants, on va sanctionner tous les pays à cause de maladresse. À cause de leur maladresse. Donc moi je pense qu'il n'y a pas que la MONUSCO qui doit partir. Il faut que M. Félix Tshisekedi et sa gante partent également. Si eux ont utilisé la population, on peut demander à cette même population de continuer à chasser tous les éléments malicieux. Parce qu'il n'y a pas que la MONUSCO qui participe dans la guerre. Moi, j'ai suivi votre interview accordée à ce monsieur-là du M23. J'ai suivi, il a fait des déclarations gravissimes. Et pourquoi M. Félix Tshisekedi doit-il être là?
On va terminer. Au-delà de la MONUSCO, vous m'ouvrez la porte. Je crois peut-être que ce sera la dernière question. Sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, Bounagana est toujours contrôlé. La quasi-totalité du territoire de Rutshuru est entre les mains. Est-ce que le M23, c'est un mouvement terroriste? Est-ce que c'est le Rwanda qui est l'agresseur? Les pays attendent la force des pays de l'Afrique de l'Est. Les négociations en Angola. Comment jugez-vous la conduite de la situation pour la résurgence, ou plutôt la résolution de la crise armée actuelle dans l'Est de la République par le gouvernement et le président Tshisekedi? Oui, mais ça, c'est une preuve éloquente de l'incompétence notoire et diabolico-démoniaque de ceux qui sont au pouvoir. Voyez-vous? Ils gèrent le pays par essai erreur. Il n'y a pas de décisions politiques cohérentes qui sont prises. On décrète l'état de siège sans plan opérationnel, sans plan de décaissement. Nous n'avons pas une loi de programmation militaire. Nous ne savons même pas ce que nous voulons faire de notre armée. On recrute de jeunes et on les envoie en guerre sans équipement, sans expertise, sans expérience. Et nous voyons les résultats. Aujourd'hui, les M23 gagnent du terrain. Ils sont en train d'imposer l'ordre. Et ce qui est encore grave, c'est même M23 se reconnaît proche de M. Félix Tshisekedi. Alors comment voulez-vous que la solution soit trouvée par les acteurs qui ont créé la situation? Comment voulez-vous qu'un microbe puisse créer la solution, puisse apporter la guérison sur une maladie que lui-même a créée? Nous sommes aujourd'hui en face de microbes. Des gens qui sont en train de créer des maladies dans notre corps. C'est qui le microbe? Celui qui sait qu'il est un microbe pour vous? C'est une métaphore. Non, mais nous sommes en train je veux tout simplement être un peu plus clair par rapport à ces... Par rapport à la métaphore, concerne qui? Le microbe, c'est M. Tshisekedi? Non, mais c'est ça. Donc, lorsque nous aurons un commandant en chef aguerri, pas des gens qui sont assoiffés d'argent, capables de... capable de changer les choses. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a possibilité de requinquer notre armée et de faire en sorte que les choses changent. Le 1-23 ne sont pas nés dans le des extraterrestres, ce sont des humains. Comment arrive-t-il à s'approvisionner en armes? Comment ça se fait que notre armée n'arrive pas à résoudre le problème? Je peux ici certifier qu'il est impossible de penser à gagner la guerre de l'Est dès lors que le commandant en chef sera défaillant et dès lors que nous ne serons pas en mesure de combattre la corruption. On a fait sortir 74 millions de dollars et l'argent a été détourné ici à Kinshasa. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, ce sont les parlementaires qui l'ont dit. Personne n'a été inquiété. Comment voulez-vous que le ministre en charge de finances puisse décaisser la... l'argent pour l'armée, alors que la procédure n'ayant pas été encore vidée. L'argent a été décaissé et les bénéficiaires n'ont pas reçu l'argent. Personne n'est inquiété. Plus de 45 millions de dollars détournés. Comment voulez-vous que nous gagnions la guerre avec des assoiffés jouisseurs? Il faut changer la donne. Et je pense que la population de la partie Est a droit à la vie. Pendant qu'on tue dans la partie Est, il y a des gens qui vont à Marbella pour jouir, j'insiste, pour jouir des avantages liés à la fonction. Alors qu'il y a des problèmes de militaires qui n'arrivent même pas à percevoir leurs soldes. Alors qu'il y a des fournisseurs de l'armée qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui pètent chaque samedi. Et nous, nous disons, cela doit s'arrêter. C'est un problème de choix. La responsabilité première incombe d'abord au souverain primaire. C'est le souverain qui décide en dernier ressort. Et si le peuple ne veut pas prendre à bras le corps la question, ne soyez pas surpris que la situation perdure. Il faut que cela s'arrête. Parce que lorsque je vois nos enfants mourir, lorsque je vois nos femmes être violées, tuées en longueur de journée, lorsque je vois le corps de mes frères et sœurs joncher les rues, et que ce gouvernement de jouisseurs d'État n'arrive pas à résoudre le problème. Je crois qu'il est temps pour la population de se prendre en charge. Et ce n'est pas violer la Constitution.
il y a des dispositions constitutionnelles qui sous-tendent notre démarche. Nous voulons que la population se prenne en charge. L'article 64, ça c'est votre chanson habituelle, hein, l'article 64. Non mais ce n'est pas une chanson, c'est une disposition constitutionnelle. Ce n'est pas une chanson, je n'ai rien inventé. Donc la solution pour vous, c'est la révolution pour chasser Tshisekedi du pouvoir. C'est ça la solution. Non seulement Tshisekedi, et tous les systèmes. Tous, on va les chasser. Si on ne le fait pas, on sera complice. Cette fois-là, on sera des complices naïfs. Comment devons-nous continuer à pleurnicher alors que ceux qui nous causent du tort, du mal sont là? Pourquoi ne pas se lever et prendre la bonne décision pour les chasser tous? Tous ces éléments malicieux qui empêchent à ce que le pays évolue. Lèvons-nous, cher peuple. On doit mettre fin à cette aventure. Quelle humiliation de voir à chaque fois tuer nos enfants. Pourquoi nos enfants ne peuvent-ils pas vivre en paix? J'ai fait une émission avec M. Willy Mishiki. Il a fait des déclarations graves. Il vous dit qu'ils sont en contact avec le groupe armé. Il vous dit qu'ils sont ils ont la capacité d'orienter les actions des groupes armés. Lorsque le groupe armé prend des gens en otage, ils sont capables de le faire sortir à la suite d'un seul appel téléphonique. Alors dites-moi, comment peut-on être du pouvoir et être en complicité avec ceux qui tuent la population? Pourquoi? Donc la solution, c'est le départ de Tshisekedi. Le problème, c'est Tshisekedi. La solution, c'est son départ pour vous. Non, mais attendez. Lorsque vous avez des infections dans votre corps, n'est-ce pas qu'on vous donne des antibiotiques? Il faut s'attaquer contre le microbe. Vous ne pouvez pas amener de traitement symptomatique. Non. Il faut attaquer le microbe. Le microbe, c'est le système. Tu les jaloux. On va. Et on n'a pas d'autre choix. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là. Allez, Bolodjo, on va terminer pour boucler la boucle. Un mot quand même pour Jimmy Kitenge. J'apprends qu'il est toujours dans les cachots de la nerf. Ça vous inspire quoi, son arrestation? Oui. On dit que vous êtes le prochain sur la liste, vous-même. Oui, ça serait pour moi un honneur. Un honneur si on veut m'arrêter parce que je combats pour mon peuple. Quoi de plus normal? Lumumba est mort à quel âge? Il n'avait pas mon âge. L'essentiel n'est pas de vivre en faisant semblant d'être en paix. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Je l'ai dit souvent. Aujourd'hui, pour moi, je suis fier de Jimmy Kitenge, bien qu'il ait de l'axe Kabila, mais je suis fier de voir quelqu'un qui met en mal ces systèmes mafieux, les intérêts de ces systèmes mafieux, être arrêté de la sorte. Si nous disons qu'il a été enlevé justement parce qu'on ne lui avait pas donné la chance de savoir qui l'arrêtait. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il est au Kijé de la NER et donc nous espérons qu'il sera mis devant son juge. Mais la loi, qu'est-ce dit la Constitution? Après arrestation, il doit être devant son juge naturel 48 heures après. Des gens qui ne veulent même pas respecter la Constitution. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous voyons comment le dossier de Kaboun est en train d'être orienté. Mais essayez de voir, pourquoi pour Kaboun, on ne l'a pas mis sous map? Pourquoi pour François Béa, ce n'était pas le cas? Pourquoi pour Jimmy, ce n'était pas le cas? Pourquoi on doit faire exception? Parce que lui, il était en mesure de mobiliser la masse. Et le fait seulement que pour Jimmy, il y a eu juste quelques déclarations. Et son parti est amorphe. Et voilà, aujourd'hui, il reste là. Il y a Luc Molopoué, ce jeune de la Mouka, qui est toujours en prison. Voyez-vous? Il a fait plus de 75 jours dans le cachot de la nerf. Justement parce qu'il a pris le courage de faire des déclarations. On veut nous brimer. On veut nous abrutir. On veut nous assujettir, nous apprivoiser. On veut nous interdire de dire des vérités. Nous disons, nous allons dire des vérités, c'est à eux d'apprécier. Ce n'est pas à nous d'apprécier leur comportement. Nous devons nous battre. Et la population doit nous accompagner dans ce sens. Parce que le changement a un prix à payer. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Je crois que c'est ça le message que nous voulons lancer à notre peuple.
Merci beaucoup, Alain Bologna. On sait également que vous avez fait du combat de François Béa, votre combat. Comment il va? J'ai appris qu'il y a des juges qui se sont déportés dans cette affaire. Non, mais bien évidemment, parce qu'il y a eu pression. Les gens ont constaté que le juge n'était pas indépendant. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes se sont désengagés alors que la démarche était déjà enclenchée. Et moi, je pense, si M. François Béa était un membre d'un parti politique, certainement que les gens allaient se mobiliser pour les libérer. Ils pouvaient avoir même une liberté provisoire, parce que jusque-là, il n'y a pas de preuves. Nous avons vu des photos des gens qui prétendaient avoir des éléments incriminants et tout ça. Ils nous ont amené de Polo Lacoste, de Lacoste, de couleur de l'armée, pour considérer ça comme des preuves. Ça c'est vraiment insultant, injurieux. Il y a son secrétaire qui est aujourd'hui à l'hôpital justement parce que lorsqu'il disait qu'il était malade, personne ne le croyait. Aujourd'hui, il est dans un état piteux et nous ne savons même pas s'il va survivre. Donc voilà comment les dossiers sont traités. Alors que M. François Béa, c'est un technicien, c'est un administratif. Je m'y connais un peu en matière de renseignements, de sécurité. On a désarticulé, on a désacralisé les services. On a empêché à ce que les services fassent bien leur travail. Mais pourquoi est-il arrêté? C'est justement parce qu'il a obtempéré aux ordres de son chef par rapport à la vente des carrés miniers dans la partie orientale de la République. Il a été envoyé justement pour enquêter sur un dossier. Et voilà les ramifications de ces dossiers l'ont cloué aujourd'hui en prison. Il risque d'être condamné, justement parce qu'on ne sait pas gérer les ardeurs, gérer la température. On ne sait pas gérer son cobra. Le fait, c'est moi qu'aujourd'hui, l'élite a un pouvoir sur l'État, et voilà ce que nous verrons. Cela doit s'arrêter. C'est grave, c'est grave, Alain Bologna, ce que vous dites. L'élite a un pouvoir sur l'État aujourd'hui? Ah, bien évidemment, tout le monde le sait. C'est-à-dire? Tout le monde le sait. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que l'élite a un pouvoir sur l'État. Ça veut dire, moi je comprends rien, ça c'est une métaphore, je n'arrive pas, ça signifie quoi aujourd'hui? L'élite a un pouvoir sur l'État. C'est quoi? C'est le problème des libidos, c'est le problème des envies libidinales qui dirigent aujourd'hui la République? Si vous voulez le dire ainsi, tant mieux. Sacré Alain Bologna. Alain Bologna, la main sur le cœur, merci, hein, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, messieurs, ça va donc être la fin de cette émission. 45 minutes, 50 minutes d'une très, très belle émission au téléphone avec monsieur Alain Bologna depuis Kinshasa. Donc, on était en direct avec lui. J'espère que vous l'avez aimé. Vous avez aimé notre émission. Restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous pour d'autres aventures et d'autres invités dans les jours qui arrivent. Bonsoir chez vous et à la prochaine. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.